Je suis Céline Darius, directeur national de SOS Village d'Enfants en Haïti. Actuellement, le pays vit une situation très très difficile, catastrophique même après l'événement du mardi 12. Donc nous sommes en train de constater beaucoup de morts, beaucoup de problèmes, les maisons sont effondrées. C'est vraiment une situation que vraiment je ne trouve pas de mots pour les expliquer. Maintenant, des enfants orphelins qui sont laissés dans les rues, des personnes, les parents, tout le monde sont dans les rues. Tout le monde, personne n'est épargné. Donc, pour trouver à manger, pour trouver de l'eau, pour trouver des médicaments, c'est vraiment difficile, difficile. On ne peut pas les trouver. Et maintenant, c'est un peu calme jusqu'ici, mais après une semaine, 2 semaines, comment on va survivre? Et pour SOS au niveau international, SOS Village d'Enfants au niveau national est en train de nous donner des aides et nous demandons plus d'aide à SOS international. Ça, c'est un travail vraiment grand et j'attends de votre aide. Merci beaucoup pour les aides que vous êtes en train de nous donner et pour les aides que vous allez nous donner. Merci, mille merci.